Salut, salut. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour mon haul du Black Friday. Je vous ai demandé sur Instagram pour voir si ça vous dérangeait si je tourne la vidéo en plusieurs fois au fur et à mesure que je reçois mes colis pour pouvoir ranger parce que j'ai horreur d'avoir les produits qui traînent. Vous m'avez répondu que non, sauf Amy qui s'est trompée de bouton. Voilà, je ne vais rien dire, mais je t'aime. Donc on va commencer avec celle-ci, donc forcément j'aurai des looks différents, des têtes différentes tout au long de la vidéo. Ce premier make-up, c'est le Crash Test de chez Shiglam, donc je vous le remets en barre d'infos, et ce sera pareil pour les autres, je vous les mettrai en barre d'infos aussi, si jamais la vidéo est déjà sortie pour vous. Là, je sais qu'elle sera déjà sortie. Alors, on commence donc avec Boozy Shop, et là, j'ai fait deux commandes. Je vais vous expliquer pourquoi quand on passera à la deuxième commande. Donc, la première commande, déjà, je vais commencer par le cadeau. Parce que je suis bien contente de l'avoir eu une seconde fois pour vous. Le miroir Révolution X-Ray avec le homard. D'ailleurs, je sais très bien imiter le homard. Vous voulez voir? Donc ça, je vous le mettrai de côté du coup pour le concours de Noël de l'année prochaine. Alors, pour imiter le homard, c'est... Voilà. Cherchez pas à comprendre. Ensuite, on va passer au backup. Parce que mamie, elle a commandé beaucoup de backup. Alors, ça, c'est du backup, ça, c'est du backup, ça, c'est du backup. Alors, j'ai profité des promos, hein, tout simplement, parce que il y avait un code de moins 30% sur tout le site, me semble-t-il. Il me semble que c'est ça. Je sais plus c'était quoi la promo du Black Friday, mais très bonne promo, donc j'ai commandé. D'abord, je me suis repris 3 crayons noirs de chez W7, parce que ça a été un réel coup de cœur pour ce crayon. Je le trouve mieux que le Sephora. Alors, moi, qui n'arrivais pas à trouver un qui équivalait le Sephora et que je cherchais absolument du moins cher. Après, le Sephora n'est pas très cher, hein, il est à 8 euros, je crois. Mais je voulais moins cher. Voilà, j'aime avoir du moins cher. Toujours moins cher, toujours moins cher. Et celui-ci, pour le prix, hein, donc je vous affiche le prix en promo. C'est le Oh My Gel. J'ai même du mal à le démaquiller tellement il tient bien. Voilà, donc j'en ai pris 3. Parce que j'adore le backup. J'ai repris 2 liners essence, puisque c'est le seul liner que j'utilise, et j'en ai une très grande consommation, puisque j'en mets quasi à chaque make-up. Hein, c'est très rare que je ne mette pas de liner sur mon make-up. Donc j'en ai repris 2, parce que je crois qu'il ne me reste plus que 1 ou 2 en stock dans mon make-up. J'ai repris également un lot de rasoirs visage de chez W7, parce que pareil, ça a été un gros coup de cœur par rapport à ceux de chez AliExpress que j'achetais avant. Ils n'irritent pas la face quand je rase mon petit duvet et mes petits sourcils. Donc voilà, mes petites chenilles sont très reconnaissantes de ce rasoir, puisqu'il fait beaucoup moins mal. L'autre, il me grattait vraiment, il me faisait mal à la longue. J'ai pas le cas avec ceci du tout. Donc backup, quoi. Voilà. Forcément, c'est un peu plus cher que sur AliExpress, mais au moins, j'ai pas mal la face. Du coup, j'ai repris aussi un produit pour mes cheveux, les Tones for Brunette en Green Envy de chez Révolution, parce qu'il était en promo, et une très belle promo, je ne sais plus exactement. J'avais mis le bleu aussi parce que j'aime bien mixer les deux pour avoir une teinte un peu turquoise, comme ça, turquoise foncé, enfin bleu verte. Mais du coup, avant que je puisse passer ma commande, il y a eu une rupture de stock sur le bleu. Et celui-ci, c'était le dernier, parce qu'au départ, j'en avais 3 dans mon panier. C'était le dernier, donc je l'ai pris quand même. Et dernier truc pour le backup, je me suis repris un gant, parce que pareil, ils ont promo, exfoliateur, comme ça, de chez Boozy Shop. J'avais eu une fois en cadeau et coup de cœur sur ce produit. Franchement, pour les feignasses du gommage et de l'hydratation du corps et compagnie comme moi, c'est nickel. Vous enfilez votre gant, vous l'humidifiez, donc bon, il est pendu sous ma douche. Vous frottez vos jambes, votre petit corps et tout, et vous êtes exfolié de fou. J'adore. Voilà. Mais après, c'est assez fin, donc je pense que ça s'abîme assez vite. Donc je me suis dit, autant avoir un backup, c'est pas perdu de toute façon. Alors, on va passer quand même à quelques petits achats. J'ai pris 2 cols de chez Essence, la colle à fossiles. Voilà, chez Essence, ils en avaient sorti une il y a plusieurs années qui était ma préférée. Elle était un peu teintée verte quand vous l'appliquez. Et une fois qu'elle était plus verte, en fait, vous saviez que vous pouviez coller vos fossiles. Là, Amy l'adore. Elle a dit qu'elle était mieux que la Huda. Et comme je sais que j'ai adoré la première, je m'en suis pris 2 parce que je sais que je vais l'aimer...
n'y a pas de doute. Voilà pour ça. Dans la collection Creator de chez Révolution, alors je me suis pris la palette de liner, d'Hydra Liner pastel. Voilà, parce que j'ai adoré la qualité du crash test d'Emmy, hein, que je l'ai eu dans le crash. Oh, j'arrive pas à les sceller. Enfin bref, je l'ai pris parce que Emmy m'a offert la néon. Je me suis pris la pastel, comme ça je vais pouvoir revendre mes AliExpress. Parce que entre les Glisten et ceux-là, je les préfère largement aux AliExpress, qui sont bien, on ne peut pas dire le contraire, je les ai beaucoup aimés. Sauf que ceux-ci sont de meilleure qualité, ils s'appliquent beaucoup plus facilement, ils sont plus fluides. Et comme dirait Amy, les AliExpress, à la longue, ils attrapent une texture un peu chewing-gum. Ça m'a fait rire. Mais elle a raison, en fait, ils deviennent un peu pâteux. Il faut juste, en fait, à la longue, si jamais vous les avez aussi, à force de les utiliser et de les humidifier, pensez à les laisser ouvertes de temps en temps, voire à côté d'un radiateur pendant 24 heures à peu près, pour qu'ils ressèchent totalement tout le pan, en fait. Mais ici, il n'y a pas trop ce problème-là. Pareil avec les Glisten, ils sèchent à une vitesse exceptionnelle et ils s'appliquent vraiment super bien. Et je voulais également me prendre, j'attendais une promo pour me la prendre, celle-ci. Donc c'est la Paint Book Palette. Donc ce sont tous des fards crème colorés. Et pour les make-up artistiques, des queens ou des trucs comme ça, ou des Disney Challenge. C'est pas du luxe, plutôt que d'utiliser ma base à paupières et mes fards à paupières, ben, là je pourrais tout faire. Donc j'ai laissé le plastique de protection. Bon, non, il se fait la mal, il était attaché jusqu'à maintenant, donc ben, du coup je vais le dire. Mais voilà, c'est tout des fards crème. Alors vous avez deux noirs, non, c'est même pas, c'est un noir et un marron. Voilà, vous avez toutes les couleurs, vous avez un blanc, un beige et puis toutes les autres couleurs. Donc pour faire une base. Je pense que ça peut être pas mal, donc je pense que dans le prochain make-up artistique qu'on fera, je vais le tester pour voir la qualité. Là, je ne vais pas l'utiliser maintenant, hein, voilà, pour des make-up classiques. C'est vraiment du Creator, donc c'est vraiment pour les trucs un peu plus artistiques. Mais elle me faisait très 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 envie quand elle est sortie. Après, elle est quand même 22 balles, c'est pas hyper cher, hein, on est d'accord, mais j'attendais vraiment une promo. Par contre, est-ce qu'ils disent le grammage? Attendez, je cherche. Marqué, donc il y a 30 fards différents. Je vais reprendre la boîte. Allez, j'ai mal au dos. Ils font 1 gramme chacun, donc ça va. Après, le crème, ça se vide plus vite que les poudres, hein. Mais voilà, je suis bien contente de mes petits ajouts. On va finir pour la première commande avec la collection Disney et Essence et Catrice. Il y avait les patchs pour les yeux que je voulais absolument, qui ne sont pas sortis sur Boozy Shop, mais je voulais également les fossiles. Donc j'ai pris les trois. Mulan, Réponse et Jasmine, ils sont canons. Je vous les montre quand même de plus près. Donc les Mulan sont assez naturels. Les Réponses encore plus, avec un coin interne plus court. Et les Jasmine sont canons. Voilà. Donc c'est une qualité de fossile que j'adore chez Essence. C'est vraiment les meilleurs rapports qualité-prix. Donc quand il y a des éditions limitées comme ça, j'achète. Et les soins de chez Catrice, pareil, je les adore. Donc, je me suis acheté les 3 sérums. Voilà. Donc, vous avez Ariel qui est à la fleur d'hibiscus. Et mon Dieu, je l'ai senti quand je les ai reçus. Il sent bon, celui-là. Je crois que c'est celui qui sent le plus bon. Le plus bon. Hein, qui sent le meilleur. Alors, je ne sais pas lire derrière ce qu'ils font exactement. Hein, mais voilà. C'est des sérums de 30 ml. Et à l'intérieur, vous avez des petites pétales de fleurs. Alors, je ne sais pas si c'est des vrais ou pas, mais... Voilà, c'est trop beau. Ils sont magnifiques. Et moi qui adore les sérums, et en plus les sérums Catrice, je vous raconte même pas. Alors, vous avez le Pocahontas qui est avec... Je sais pas lire. Je vais chercher mes binocles parce que je sais pas lire. Avec... du tournesol, Sunflower. Donc, pareil, avec les petits pétales à l'intérieur. Donc, je disais, avant que mon appareil me coupe la chic, donc du coup, j'ai enlevé mes fossiles et mis mes lunettes parce que j'ai dû aller dérocher, j'avais plus place. Donc, le dernier, c'est Belle avec de l'eau de rose. Voilà. Donc ça, je vais faire une petite photo pour mettre sur Insta parce que c'est trop mignon. Donc, voilà pour ma première commande. Il ne me restait plus grand-chose à vous montrer, hein.
Donc, pour ma deuxième commande, j'ai pris un cadeau pour vous encore. Mais bon, là, j'en ai qu'un. C'est un disque démaquillant de chez Boozy Shop. Pour avoir les frais de port gratuits sur ma promo, j'ai pris un Manic Panic, donc une colo bleue, pour tester. Voilà, je ne les ai pas testés. Alors, ils sont vachement plus chers que les Révolutions ou les Crazy Color. Hein. Crazy Color que j'ai recommandé un stock de promo sur... Ah, c'est sur Maki Beauty qu'il y avait 30% sur tout le site. Ouais, parce que ça, c'était pas en promo, je crois. Mais comme ça fait longtemps que je veux le tester, je me suis dit, allez, on va essayer. C'est le Shocking Blue. Oui, parce que je suis accro au vert, mais je fais toujours mes cheveux bleus, hein, voilà. Mais j'ai hâte de tester ça. On le testera, je pense, dans un vlog, un des Vlogmas. Et la deuxième commande, en fait, je l'ai fait à cause d'Emmy. Enfin, grâce à elle, plutôt, merci ma biche. Je sais pas pourquoi, j'ai eu un bug, mais alors un bug total. En fait, vous savez à quel point j'aime les pinceaux Boozy Shop. C'est vraiment mes pinceaux préférés, avec les essences, mais plus les Boozy Shop. Et je voulais absolument le grand kit de pinceaux professionnels, mais il était quand même pas donné. Je sais plus le prix exact. Et j'ai cherché, parce que chaque solde, chaque promo, code promo et tout ça, je regarde à quel prix ils sont. Et j'ai eu un bug, je les ai pas vus. Alors, je sais pas si c'est un bug sur le site ou un bug dans ma tête, mais il y a eu un bug quelque part. Et puis, elle me dit, mais t'as vu que les pinceaux, le gros kit, il est à ce prix-là, quoi. J'ai dit, non. Donc, du coup, j'ai refait une commande et j'en ai profité pour prendre celui-là pour avoir les frais de port gratuits. Donc, j'ai pris le Masterful Set des Ultimate Pro pinceaux de chez Boozy Shop. Donc, vous avez un exemplaire de chaque pinceau pro. Voilà. Alors, ils me plairont peut-être pas tous, mais à ce prix-là, je me suis dit, écoutez, de toute façon, moi, j'adore. Et en plus, vous avez la pochette. Vous savez, comme les professionnels, pour mettre autour de la taille. Ça, j'en voulais longtemps quand je faisais des make-up de mariée et tout ça. C'est plus le cas maintenant, mais c'est pas perdu, quoi. Voilà, de toute façon. Et ils sont déjà emballés dans la pochette. Donc, très classe, la pochette. Hein. Donc, c'est une pochette ceinture en espèce de simili-cuir marqué Boozy Shop avec la grosse tirette. Très, 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 très classe. Donc, on va ouvrir ça. Je vais la déclipser. Zicrobo. Et donc, vous voyez, vous avez la ceinture. Alors, vous allez absolument voir que vous pouvez mettre autour de la taille pour quand vous devez maquiller quelqu'un. Bon, c'est très professionnel. Hein. Clairement, j'en ai pas l'utilité. Mais je m'en fous. Voilà. Alors, on va commencer par les pinceaux aux yeux parce qu'ils sont en premier. Donc, ils sont tous emballés dans un petit papier plastique, hein, ça, on a l'habitude, c'est partout maintenant. C'est pour les protéger, on est d'accord, mais c'est pas très écologique. Donc ici, on a le Cut Crease, donc c'est un petit pinceau crayon comme ça, que moi j'utilise pour le coin interne principalement, mais il ressemble au 231 de chez Zoeva, un tout petit peu plus petit. On a le Smudge, donc pour blender les liners, ou moi je m'en sers également pour faire mes rats de cils quand je veux un truc très précis, ou pour faire mes bascules externes, ou des choses comme ça. Alors, je les sors tous. Ça, c'est pour les yeux. Hop, hop, hop. Alors, ici, on a le Eyelid. Donc, celui-là, je l'ai déjà. C'est un petit pinceau plat assez fluffy. De toute façon, je crois que j'ai un exemplaire de chaque puisque j'avais acheté pour les yeux déjà. Le Precision Eye, je crois. Donc, c'est encore un pinceau plat, mais plus court. On a celui-ci que j'adore pour poudrer mon arcade sourcilière, le Large Blender. Donc, c'est un pinceau plat, mais très long et très fluffy. Donc, pour estomper, il est très bien aussi. On a celui qui ressemble au 231. Ah non, c'est le pinceau crayon. Ouais, mais si, il ressemble au 231 quand même, celui-ci. Attends. Non, c'est l'autre. Le Crease Blender. Voilà, moi, je m'en sers comme le 231 pour faire mes creux. On a ici le Precise Blender. Donc, c'est un pinceau boule un peu plus fin. Le pinceau estompeur qui est le... Transition Blender. Celui-là, je crois que je ne l'ai pas. Je ne sais plus lesquels j'ai ou j'ai pas.
Mes pinceaux plats préférés, le Small Eyeshadow. Voilà, et celui-ci, pour mettre, quand vous voulez juste mettre dans le coin interne de votre paupière, il est hyper précis, je l'adore. Le Inner Corner, donc celui-là, c'est pour le coin interne, en toute logique, et j'utilise pour ça aussi. On a celui-ci pour le ras de cils, que j'ai déjà. Voilà. Et celui-ci, qui est un estompeur, qui est le Buffer. Voilà, voilà. Alors, on va passer à ceux pour le teint. On a d'abord, bon, pour le teint, celui-ci, je peux utiliser le Sculpt and Blend. Donc, pour faire, par exemple, le contouring de nez. Voilà. On a ici, donc là, c'est un duo fibre. C'est le Cream Contour. Donc, pour appliquer les produits crème. Bon, après, vous n'êtes pas obligé de la... Voilà. Alors celui-ci pour faire le contour aussi, bec and contour, pour faire le contouring de nez, ça peut être sympa. C'est un pinceau plat biseauté comme ça. Enfin, ouais, il est légèrement biseauté, mais très 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 légèrement. Ça peut être sympa. Alors, on a celui-ci que j'avais déjà acheté une fois et que j'avais donné à Amy. Et elle m'a dit, t'aurais dû le tester pour le bronzer. Donc écoutez, je le testerai pour ça. Highlight et bronzer. Voilà, qui est aussi un pinceau biseauté comme ça, mais très, très, très fluffy. On a celui-ci qui est le Under Ice, mais moi, c'est le genre de pinceau que j'adore. Donc, c'est pour poudrer normalement votre dessous d'œil. Moi, j'adore pour l'highlighter parce que ça applique beaucoup d'highlighter. Voilà, c'est le genre de forme un peu œuf comme ça que j'adore. On a le contour. Donc ça, normalement, c'est pour le bronzer, hein. Moi, je préfère pour appliquer le blush, personnellement, ce genre de pinceau. Bon, les bronzers, j'aime bien les gros pinceaux pour déjà. On a celui-ci qui est très étrange, qui est le Topperade Highlighter. Il est très, très, très long et très souple, très fin. Mais celui-là, par exemple, pour balayer les chutes, il peut être sympa aussi. On a le... Under Ice Blender, donc normalement c'est pour blender l'anti-cerne. Moi c'est le genre de pinceau que j'adore justement pour le contouring. On a le UP12, donc celui-là je l'ai déjà et je l'adore. C'est le dupe, franchement c'est le même que le Zoeva que j'ai acheté. Alors attendez, je ne sais pas si je l'ai ici le Zoeva, je le cherche, ouais. Que celui-ci de chez Zoeva, le 108 Face Finish. Il est juste plus long et moins large. Mais je l'adore. Je l'adore. Je l'ai déjà. Hein, mais je l'adore. Et pour finir, on a le UP14 qui est le pinceau poudre. Mais alors ça, c'est le genre de pinceau... Attendez. Ouais, powder. C'est le genre de pinceau que moi, j'adore pour le bronzer, justement. Parce que ça diffuse super bien. Alors par contre, il n'y a pas le UP01, que c'est le pinceau que je veux le plus. Donc, la prochaine commande, je me le prends. C'est le gros pinceau poudre pour balayer la poudre et tout ça. Mais voilà, je suis bien contente. Donc la pochette, je vais l'emballer dans la boîte, je pense, pour ne pas l'abîmer. Parce que clairement, elle ne me sert à rien pour l'instant. Hein, mais je suis bien contente de l'avoir. Voilà, tout simplement. Et les pinceaux, bah, je suis super contente de les avoir. Donc voilà ce qui conclut ma partie Boozy Shop. On se retrouve avec la suite tout de suite pour vous. Mais moi, je ne sais pas c'est quand, parce que je ne sais pas quand est-ce que je vais avoir mes colis. Donc, on continue le haul avec cette tête-là parce que j'ai envie, voilà, entre deux liners que je tourne pour la vidéo, des abonnés choisissent mon liner, enfin, dessinent mon liner. Donc, du coup, vous n'aurez pas Shein puisque mon colis ne veut décidément pas arriver. Donc, ça, je vous l'incorporerai dans un Vlogmas, voilà, tout simplement. Oui, ça me fait rire. Donc, j'ai été chercher ma commande, ma Keep Beauty, mais on fera après, on va continuer avec Boozy Shop puisqu'on était lancé sur Boozy Shop. Et là, il y a deux ou trois commandes supplémentaires. Donc, je vous les montre dans le désordre des réceptions, mais c'est tout chez Boozy Shop. Et je vous affiche les prix en promo. Voilà. Alors, vous allez voir que je ne serai pas en manque de teinture colorée. Hein. J'avais pris la verte dans une commande, puisque c'était la seule qui restait. Je ne sais pas si je ne vous l'ai pas déjà montré ou pas. Donc, c'est celle de chez Révolution. Attendez, je vous la mets à l'endroit. Voilà. C'est la Green Envy. Donc, j'avais pris celle-là. Et je voulais une bleue, mais elle était en rupture de stock. Et j'ai vu qu'ils les avaient restockées toujours en promo. Donc, du coup, j'ai pris la bleue, qui est la Midnight Blue.
Et j'ai également pris pour tester la Purple Velvet et la Berry Pink. Donc la mauve et la rose. La mauve est vide puisque c'est celle que j'ai actuellement dans mes cheveux. Voilà, si vous suivez mes vlogs, vous avez vu, je l'ai fait, je vous ai montré en vlog. Voilà, donc celui-là, je peux déjà le mettre dans les produits terminés. Mais du coup, là, j'ai racheté un produit pareil que je vous ai montré en vlog pour refaire des mèches un peu plus claires. Et on testera la rose avant de repasser aux couleurs bleu-verte. J'ai refait une commande puisque j'ai vu que Catrice avait sorti un calendrier de l'après. Moi, j'ai vu des numéros, j'ai vu marqué calendrier. J'étais persuadée que c'était un calendrier de l'avant. Je n'avais pas vu qu'il était si petit et qu'il n'y avait que 6 cases. 5 cases d'ailleurs, il n'y a même pas le 26, hein, ça commence au 27. Voilà. Il n'était pas bien cher, maintenant je comprends pourquoi. J'ai le spoil puisque tout était noté sur le visuel. Donc ce que je ferai à la fin du haul, je vais le unboxer avec vous. Comme ça, si jamais il vous intéresse, vous pouvez le prendre pour le décompte de la nouvelle année. Mais voilà, je vais l'unboxer avec vous juste après. Il y a des petites choses intéressantes. Et de toute façon, Catrice, les soins, j'adore leurs soins. Et là, c'est principalement du soin. Donc, on est content. J'ai également pris le Renew Face Serum with Squalane plus Ceramide et Yuzu. Le packaging était trop beau, mais moi, j'adore leur... Chez Catrice Essence, j'adore leur sérum. Donc, à chaque fois qu'ils en sortent, je les achète. Donc, j'ai pris celui-là également. On testera ça, bien que... Donc, c'est une édition limitée pour les fêtes de fin d'année, hein. Le packaging est très joli. Voilà, j'ai pris celui-ci aussi. Tout simplement, voilà, parce que j'adore leur sérum. Il n'y a pas de raison. J'ai pris également ceci. Donc, il y a quatre produits que je ne peux pas vous montrer parce que c'est deux cadeaux pour les filles et deux pour le concours de Noël de l'année prochaine pour vous. J'ai pris ceci pour les frais de port gratuits. C'est de chez Elle Colors. C'est un duo. Pareil pour les fêtes, avec une crème pour les mains de 16 ml et un lip balm. Voilà, à l'odeur de cookies, enfin cookies, donut, c'est très sucré, je l'ai senti, hein, je l'ai déjà ouvert. C'est très sucré, mais voilà, moi de toute façon, les baumes à lèvres, j'adore ça. Crème pour les mains, elle va être top pour la saison, donc là je vais la descendre pour l'utiliser maintenant. Puis c'était pas bien cher et je trouvais ça très mignon. Alors... J'ai également pris, alors attends-moi le dire. J'ai fait une commande exprès pour ce produit-là et je me suis fait cuter moi-même, encore une fois, parce que je ne sais pas lire les choses correctement. J'en ai pris deux parce que je me suis dit, soit si j'aime bien, je garde, soit ça ira dans le lot du prochain concours. Alors attendez, je cherche lequel j'ai ouvert, parce que j'en ai ouvert un pour vérifier. Ça doit être celui-ci. Ouais. Donc, c'est le Power Brow Fix Brow Gel. Gel à sourcils de chez Relove. Donc, c'est la gamme petit prix de chez Révolution. Donc, c'était déjà pas bien cher. Et je crois que je l'ai eu à 2,96€. Un truc comme ça. Donc, voilà. Donc, vous avez le spoolie et le gel. Alors, je pensais vraiment que ça serait un comme le... Donc, vous avez un petit spoolie en bois hein, que moi, j'utilise pas du tout pour fixer mes sourcils, mais pour les coiffer. Je pensais que ça serait comme le Anastasia Beverly Hills, mais en fait c'est juste un gel comme pour les cheveux, quoi. C'est hyper liquide, je sais pas si vous allez voir. C'est pas vraiment une cire. Arrête de faire le focus sur Papa Noël, fais-le sur le petit pot. Voilà, je sais pas si vous allez voir, c'est vraiment du gel comme du gel pour les cheveux, quoi. Donc vous pouvez totalement le faire avec le gel pour les cheveux. Je vais quand même le tester dans une des prochaines vidéos, donc voilà, vous en saurez plus une fois que je l'aurai utilisé. On verra si c'est bien ou pas. Mais le deuxième ira dans le lot du concours d'été. Je me suis pris un autre baume pour les lèvres de la marque Soda. C'est un Mermaid Lips. Je l'ai juste pris parce qu'il était à la fraise et qu'il était mignon. Voilà, tout simplement. Après, il y en a trois différents, je crois. Mais je ne sais plus. C'est les Lip Crystal. Et voilà. Donc, attendez. Je vais essayer de le sortir pour vous le montrer. Et je l'ai déjà senti et il sent divinement bon la fraise. Alors par contre, il est riquiqui. Est-ce qu'elle a contenance pas là. Attendez. Non, pas là, ici. Et puis. Non, je ne vois pas la contenance de noter, mais c'est vraiment. Ah si, 3,5 grammes.
C'est tout petit, on dirait une petite pilule, mais voilà, ça m'a fait rire. Ils sont super bons, la fraise, et il y a des petites paillettes dedans. Voilà. Obsession, bon pour les lèvres. J'ai toujours des obsessions, moi, quelque part, de toute façon. J'ai également pris, parce que je voulais absolument tester, alors je l'ai essayé une fois dans mes cheveux, mais il faudra que je reteste comme il faut, je voulais juste filmer le haul avant, c'est le Pony Haut, les élastiques comme ça, rigides. Alors ça tient, je l'ai essayé, mais 2 minutes, hein. Vous mettez vos cheveux dedans et vous clipsez, ça fait une queue de cheval plus fournie. Je l'ai essayé, il tient bien, sauf si vous touchez. Une fois que vous touchez, il glisse, donc c'est ça qui est un peu chiant, parce que moi je tripote toujours mes cheveux. Donc voilà, je le testerai sur un plus long terme, maintenant que je vous l'ai montré en vidéo. Franchement, ça faisait longtemps que je lorgnais dessus, mais le prix me faisait un peu suer, parce qu'il était quand même à 12 ou 15 balles. Là, ils sont descendus à 8,95, il me semble, et il y avait une ristourne dessus, je crois. Donc je ne suis plus très sûre, mais maintenant j'en ai un, je pourrais tester. Et toujours pour les frais de port gratuit, puisque c'est une obsession chez moi aussi, j'ai pris l'highlighter Marilyn Monroe de chez Révolution. C'est pas du tout parce qu'il est en collaboration avec Marilyn Monroe, hein, même si j'aime bien, voilà, c'était une très belle femme. J'ai déjà mis mes doigts dégueulasses dessus, donc packaging miroitant comme ça, c'est affreux. Mais je l'ai vraiment pris pour la teinte, et oh my god. Je sais pas si vous allez bien voir avec les reflets, parce que c'est chiant. Mais il est divin. Donc, moi, je l'avais déjà swatché. Je vais vous le re-swatcher. Ça pétouille. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais il y a plein de petites paillettes dedans holographiques. Vraiment, ils disent dessus que les... Comment est-ce que c'est marqué? Attendez. Highlighter. C'est la gamme Révolution Pro... la teinte Crystal, de toute façon il y en a qu'un je crois, mais j'ai regardé avec le Fenty Beauty que j'ai et c'est pareil, c'est aussi des micro paillettes, mais c'est pas les mêmes micro paillettes en fait. Donc je suis contente, voilà, et je le trouve très 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 joli. Et voilà pour Boozy Shop. Ouais, on fera le calendrier après. Donc j'ai fait une commande chez Glisten encore, puisque j'avais un bon de 35% pour le Black Friday. Je l'ai eu en anticipant, mais j'ai, voilà, enfin bref, j'ai eu une palette, je me suis refait une palette de 15 fards avec une promo de 35% dessus. Donc voilà ce que j'ai pris. Je vous affiche les swatchs ici, je les ai fait pour Insta et je vous les ai montrés en vlog. Franchement, j'adore ces liners. Franchement, question qualité-prix, ils sont topissimes. Celui-ci, j'ai vraiment hâte de le tester. Il est très beau. Celui-ci et celui-ci, c'est les deux mêmes. J'avais pas fait gaffe quand j'ai pris le split ici. Mais maintenant, je vais pouvoir ranger tous les splits ensemble dans une palette et les entiers dans une autre. Comme ça, je cherche un peu moins ce que je veux. Et du coup, j'en ai pris deux pour les filles comme cadeau de Noël, puisqu'elles viennent le 26, hein, mais je peux vous les montrer, puisqu'elles savent, celles qui ont choisi, en fait. Donc, Amy a pris ceci, je leur ai fait une de 4. Hein. Elle a pris le blanc, un ici lumineux, qui clairement, ce sont des top coats, hein. Moi j'en ai pris 4, ce sont des top coats à paillettes. Elle a pris un split ici bleu et mauve, et un mauve lumineux. Donc, vous ne les voyez pas bien, mais je vais essayer de vous montrer. J'ai du mal avec le nouveau ring light, hein, la nouvelle ring light pour les éclairages. Donc, le temps que je m'adapte, je suis désolée. Et Manon, du coup, a pris ceci. Donc, elle a pris le noir et blanc, le Precious ici qui est doré et argenté, un bleu et un rose berry, comme ça, lumineux tous les deux. Donc, voilà pour les filles. Je vais pouvoir leur mettre dans leur petit paquet cadeau de Noël. Et moi, je vais pouvoir trier la mienne. Donc, on va finir sur Maki Beauty. Donc là, vous allez voir que je ne suis vraiment pas en manque de coloration. Alors, j'ai pris des Blue Jade parce que il n'y avait plus assez de Peacock Blue. Alors, les Peacock Blue, j'en ai pris deux. C'était les deux qui restaient en stock. Sauf que j'en ai une qui vient de que je viens de recevoir qui a coulé.
Donc là, il faut que je fasse le formulaire. J'ai envoyé tout de suite un message à Maki Beauty sur Instagram et ils m'ont tout de suite donné le formulaire pour voir avec le service après-vente et tout ça. Donc j'ai pris deux Peacock Blue et trois Blue Jade qui sont à peu près de la même teinte, sauf que celui-ci est un peu plus clair que celui-ci. Mais c'est à peu près la même teinte, c'est un bleu vert comme ça, un peu bleu canard quoi. Et j'étais en promo et j'adore ces colos dans mes cheveux. Pareil que les Révolutions, hein, c'est des très bons soins également pour les cheveux. J'ai pris du backup de ma nouvelle crème de jour préférée, la IN. J'adore cette crème de jour. Et pour le prix, franchement, un cheveu. Oh, c'est pas un des miens. Franchement, pour le prix, elle est géniale. Elle hydrate super bien. Elle laisse la peau toute douce, toute soyeuse. Oh, j'adore cette crème. Alors, elle est un peu épaisse à l'application, Mamie Keshou, qui me demandait. Elle est un peu épaisse à l'application. Il faut juste bien la chauffer dans les mains et après, ça s'applique tout seul, quoi. Mais je l'adore, cette crème. Topissime. Nouvelle crème préférée. J'ai eu un échantillon de chez Ziaja d'un gel douche à l'orange. Ça va dans les loups vintage puisque moi, je n'utilise pas d'échantillon. Alors, j'ai pris pour tester le seul qui est resté. Il y a trois sortes différentes. Il y en a un à la pastèque, un au kiwi, je crois, et celui-ci qui est à la papaye. C'est des liquides Ace Patch de chez Revuel, donc pour le dessous des yeux. Hein. Donc, c'est en format pompe. Donc ça, j'ai vraiment hâte de tester. Je pense qu'à la longue, ça durcit et que vous l'enlevez comme ça, ça fait une espèce de gel dur. Ici, c'est pour les dark circles, donc pour les cernes. Oh, je vais y arriver. Et voilà donc le format. Donc là, je ne vais pas l'utiliser tout de suite. C'est un très gros format. Il fait 50 ml. Donc voilà. Les autres étaient en rupture de stock, mais je pense que je vais tester celui-ci au plus vite et que je recommanderai les autres dès que je peux. Parce que c'est très intriguant. Franchement, je vais garder la boîte pour bien lire comment ça se passe, mais j'ai hâte de tester ça. Je vais peut-être les tester ce soir. Tiens. Et enfin, grâce aux promos, il y avait 30% sur tout le site, en fait. C'était ça, la promo chez Maki Beauty. Je me suis pris deux rouge à lèvres Jeffree Star qui me faisaient envie depuis très longtemps. Surtout le Pumpkin Pie, celui-là, depuis tant que je le veux. Je me suis dit, hop, fonce, 30%, c'est pas négligeable. Et il est juste magnifique. Donc on va le swatcher ensemble parce que bon là il est un peu liquide, il a pris un peu des changements de température. Oh là là, j'adore. Mais il est pailleté en plus ou je sais pas, mais depuis le temps que je le voulais celui-ci, il est magnifique, magnifique, j'adore trop. Et un ancien de la collection de fête, je crois que c'était de l'année dernière. Ou de l'année d'avant, c'est le Santa Baby. Oh, celui-là aussi me faisait tellement de l'œil. Le packaging est juste magnifique, vous allez voir. Hein, c'est pas les mêmes. Ça, c'est la collection permanente. Et celui-ci... Oh, regardez-moi ça, cette beauté. Oh, mais quelle beauté. C'est magnifique. Alors, j'ai hâte de voir la teinte. J'ai hâte de les tester, surtout depuis le temps que je les attends. Oh. Oh, toi, je vais t'aimer d'amour. C'est un vine bordeaux, violet. Oh. J'adore. Et moi, c'est vraiment... les Jeffree Star font vraiment partie de mes rouges à lèvres préférés. Ils tiennent d'enfer sur moi. Et je suis bien contente d'en avoir deux de plus dans ma collection. Voilà, donc ça conclut le haul. Comme je vous l'ai dit, le reste... Ouais, le Pumpkin Spice, il y a des petites paillettes dedans en plus. Comme je vous l'ai dit, la partie Shein, ça sera pour... dans les vlogs, puisque je ne le reçois pas. Donc là, on va passer au unboxing du calendrier de l'après de chez Catrice. Donc si jamais vous ne voulez pas de spoil, c'est le moment de couper la vidéo. Avant, vous mettez un petit pouce en l'air et vous vous abonnez si ce n'est pas encore fait. Et ensuite, vous cliquez la vidéo pour ne pas être spoilé. Donc, on va commencer, bien sûr, avec le 27, hein, puisque c'est le premier chiffre. Il n'y a pas de 26, c'est un peu dommage. Ils auraient pu mettre un 26 en plus. La boîte est très jolie. Hein, alors, c'est en plus protégé à l'intérieur par un petit papier de soie. Donc, ça, c'est un sérum.
que vous pouvez trouver aussi à acheter toute seule. Ah non, c'est un Deep Cleansing Oil. With vitamine E, sans parfum. Qu'est-ce qu'ils disent ? Huile nettoyante pour le visage. Émulsionner 3 gouttes sur le visage, humidifier, puis rincer à l'eau tiède. Ah ouais. Ah, j'avais pas vu que c'était un nettoyant, je pensais que c'était un sérum, moi. On peut goûter. Pour se nettoyer la face. Maintenant, je ne sais pas si c'est démaquillant, c'est juste marqué nettoyant. Alors, le 28, qui est encore un petit comme ceci. Ici, nous avons un petit baume, un masque pour les pores, 1% de BHA, voilà, tout simplement. Donc, il se présente comme ceci, c'est vraiment un petit format. Donc ça, je testerai aussi. Il n'y a pas la contenance, si, ici, 15 ml. Oui, il faut regarder sur la boîte, mais c'est pas noté sur la boîte. Donc, il faudrait que j'aille voir sur Internet. Mais bon, c'est un masque en peau, donc vous le laissez poser. Mais j'irai quand même voir comment ça s'utilise. On a le 29, qui est donc une plus grande. Et là, c'est des patchs pour les yeux. Hydratant, énergisant, revitalisant, avec de la caféine et du ginseng. Donc, c'est des hydrogels pour les yeux. Ça, c'est génial. C'est vraiment pour vous remettre après les fêtes, en fait. Hein, refaire votre teint, votre éclat et tout ça d'après-fête. Donc, ça, c'est jamais perdu. Le 30, c'est encore une des deux grandes boîtes. Ici, on a rose quartz. Ah, oui, c'est un gacha. Gacha, je crois que c'est comme ça que ça se dit, hein. Enfin, une spatule là, au quartz pour se masser le visage et faire pénétrer le... Ouh, ça, je vais aimer aussi. Donc ça, c'est super parce que c'est pas hyper donné. Bon, c'est pas hyper cher non plus chez Catrice, hein, mais c'est pas hyper donné non plus. Donc, je pense que je vais garder le petit papier bulle pour le laisser ranger dedans pour pas le casser. Parce que si ça tombe, ça pète. Donc ça, je suis bien contente. Et pour finir, on a le 31. Bonne année! Et c'est donc un Lip Cushion Oil, Hemp Seed Oil et Coconut. Donc c'est un baume pour les lèvres, protecteur. Est-ce qu'ils disent quelque chose ici? Baume multiple enrichi aux huiles de soin et à la vitamine E pour des lèvres, pour les lèvres sèches, gercées ou autres. Zone asséchée de la peau. Bah écoutez, on a vraiment tout pour faire les soins du visage. Je trouve ça génial. On a le nettoyant, le masque, les trucs pour les yeux, la truc pour masser, le petit baume à lèvres. Moi, je trouve ça génial. Franchement, il est bien. Je suis pas déçue. Après, je pensais vraiment que c'était un vrai calendrier de l'avant, hein, et pas un de l'après, parce que voilà, je ne sais pas lire les choses correctement. Moi, j'ai vu des numéros, j'ai vu marqué calendrier, j'ai acheté. Les filles se sont foutues de ma gueule. Et voilà. Donc, j'espère que ce petit haul vous aura plu. Comme je vous l'ai dit, donc on se retrouve en vlog pour la partie Shein, parce que ça traîne vraiment énormément. Et voilà, donc n'oubliez pas le petit pouce en l'air si jamais vous ne l'avez pas mis juste avant. De vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve de toute façon demain pour une autre vidéo. Et en attendant, moi je vous dis bisous bisous.